Alors, aujourd'hui a lieu la première rencontre du RAC du CIC. Qu'est-ce que le RAC? C'est le Réseau des ambassadeurs de changement et le CIC, c'est le Centre intégré de cancérologie. Ces gens ont une fonction bien particulière, c'est d'informer leurs collègues sur ce qui s'en vient pour les gens qui vont déménager au Centre intégré de cancérologie, mais c'est également de prendre leurs préoccupations puis de les ramener à leur gestionnaire. Alors, on est parti à leur rencontre parce qu'aujourd'hui, ils nous ont une journée bien occupée. Les attentes qu'on a aujourd'hui envers les ambassadeurs du changement sont de part et d'autre. Je pense qu'eux autres en ont envers nous autres pour comprendre c'est quoi le changement. Mais nous autres, ce qu'on a comme attente pour les ambassadeurs, c'est beaucoup d'être le porteur de la bonne nouvelle, de ramener au réseau d'ambassadeurs les préoccupations des gens terrains et la communication, vice-versa. Ce qu'on attend aussi d'eux autres, c'est vraiment de connaître le prochain collègue. C'est des gens qui travaillent dans des secteurs isolés. Maintenant, ils vont tous travailler ensemble dans le CIC. Fait que la journée, on attend qu'il y ait une belle communication, connaître les nouveaux confrères, des choses comme ça. Puis le rôle de l'ambassadeur, c'est vraiment de porter le changement d'hôpital, le changement de processus, la transformation, de le porter puis aider, soutenir les gestionnaires dans cette communication-là envers les équipes traitantes. Aujourd'hui, c'est la première journée de rencontre des ambassadeurs du changement CIC. Donc, on va aller voir les lieux. Donc, on va s'approprier l'environnement physique du travail. On va aller faire une visite de chantier, une visite de montage aussi là, des bureaux standards. Et on va s'approprier aussi notre rôle comme ambassadeur. Donc, qu'est-ce que c'est, à quoi on s'attend, puis on va partager nos attentes. Donc, le programme du Réseau d'ambassadeurs du changement, c'est 7 rencontres étalées sur un an et demi. Ça inclut une rencontre post-déménagement. Donc, aujourd'hui, c'est la première journée là, des ambassadeurs du changement CIC. J'ai décidé d'être ambassadrice pour le CIC, pour être présente dans les changements, de participer à tout ça, d'être capable d'aller donner nos inquiétudes, puis de participer à quelque chose qui est très historique. Donc, c'était par intérêt pur. J'ai certaines inquiétudes par rapport au changement vers le CIC, parce que c'est sûr que moi, c'était mon milieu de vie, mon milieu de travail, là, le Vieux-Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a des changements à ce niveau-là. C'est stimulant parce que c'est quelque chose de gros, de très organisé, de nouveau, de neuf, avec un fonctionnement autour d'un patient, ce qui est très, très dynamique et intéressant. Donc, majoritairement, c'est du positif. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est comme un début. On a la base de toutes les informations. Avec les prochaines rencontres, on va approfondir tous les sujets. On va pouvoir aller chercher toutes les informations, les choses qui nous manquent pour embarquer à plein. Je pense qu'on en a encore beaucoup à discuter, c'est sûr. Mais déjà, dans la première journée, j'ai eu plusieurs réponses à certaines inquiétudes ou certaines questions. Donc, c'est un bon début. Là. Ça met la table aux prochaines rencontres. J'ai l'impression que le nouveau centre, toute l'organisation prend en compte là, mes inquiétudes, mes commentaires. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Là, donc, puis oui, j'ai l'impression que ça va être bien écouté.